Bonsoir. Nous sommes présentement à la réunion d'information concernant la toute première forêt nourricière de la Ville de Québec qui sera aménagée à Lac-Saint-Charles, au Marais Bellevue. C'est un projet de la Ville de Québec, de Agiro, anciennement l'Appel, ainsi que Rafale. Allons rencontrer les principaux acteurs dans ce projet. Une soirée d'informations concernant une forêt nourricière que vous allez installer aux abords de Lac-Saint-Charles. C'est venu de où, cette belle idée-là? En fait, il y a beaucoup de forêts nourricières qui sont en émergence un peu partout au Québec. Puis nous, au départ, c'était pas nécessairement le projet. Là, cette année, on a fait en 2019, il y a eu un projet de marais filtrant qui s'est fait dans le secteur de la rue des Échassiers, là, sur le bord du lac Saint-Charles. Puis à la base, on devait renaturaliser les pourtours, puis planter notamment pour les oiseaux, puisqu'on a eu une subvention de la Fondation de la Faune du Québec. Puis la Fondation encourage le volet faune. Donc, on voulait planter des arbres fruitiers, notamment pour la faune. Puis là, finalement, à force de discussion, puis en voyant des projets qui se réalisent un peu partout, notamment, j'ai été visiter celle de la forêt nourricière de Saint-Raymond-de-Portneuf. On a eu des discussions avec le groupe Rafale. À force de discussion, on s'est dit, c'est vraiment, on va lancer l'idée, puis on va voir si les citoyens embarquent dans ce beau projet-là. Et là, on va mettre ça en branle cet été. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est d'avoir justement l'opinion de la population. Qu'est-ce qu'ils veulent comme endroit, c'est ça? Oui, parce qu'en bout de ligne, si les citoyens ne souhaitent pas nécessairement s'en occuper, d'aller cueillir, bien, ça ne sert à rien de faire ça. On veut que ça soit, que ça touche les citoyens. On veut qu'ils nous donnent leur opinion sur les espèces qu'ils veulent voir grandir là. Donc, c'est pour ça, là, cette rencontre-là ce soir, pour présenter le concept, le plan, mais aussi de discuter là, sur qu'est-ce qu'on va planter. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se déplacer ce soir, j'imagine que c'est possible de vous contacter là, dans les prochains mois jusqu'à cet été pour soumettre des idées. Oui, en fait, les gens qui veulent embarquer dans le projet, il est encore le temps. Ils peuvent nous contacter, soit par téléphone ou par courriel. En tout temps, là, jusqu'à même, les gens ils pourraient juste venir planter cet été avec nous quand on va faire la plantation. Puis nous, notre rôle comme organisation, c'est d'implanter la forêt nourricière. Mais ensuite, ça va être Rafale qui va l'animer puis qui va faire des formations, etc., là. C'est un autre beau projet de l'Appel. J'imagine que vous êtes toujours ouvert si les citoyens, justement, ont le goût de collaborer, de travailler avec vous, d'être bénévole pour l'Appel. Pour Agiro. Oui, on a changé de nom à fin de l'année. Là. Donc oui, les gens peuvent toujours venir à nos activités. Regardez, on a mis toute notre programmation de l'année en ligne aussi. Là. Donc les gens peuvent aller sur notre site Internet qui n'a pas encore changé. On est encore sous le nom de l'Appel. On travaille là-dessus présentement là, pour revoir l'ensemble de notre site Internet aux couleurs d'Agiro. Agiro, justement, t'as approché pour collaborer à ce projet-là. Qu'est-ce qui t'a allumé? Bien, vraiment, de voir que c'est un projet un peu novateur, hein, quand même, de s'implanter dans un parc municipal, à côté d'une infrastructure aussi de gestion des eaux plus naturelle. Alors, je pense que ça a le potentiel d'être un projet assez modèle, assez innovant. Oui. Et puis, qu'est-ce que c'est, justement, une forêt nourricière? Bien, une forêt nourricière, c'est un petit écosystème qui est aménagé par l'humain, qui s'inspire un peu de la forêt. Hein. Donc, les différentes strates de la forêt, la canopée, les arbustes, les petits arbres, les plantes grimpantes, les couvre-sols. On imite un peu la forêt, mais dans le but, comme son nom le dit, de nourrir l'humain. Donc, on va choisir les végétaux sur la base de leur fonction alimentaire, mais aussi de toute une série d'autres fonctions qui vont bénéficier davantage à l'écosystème. Et justement, le but d'une séance d'information comme ce soir, c'est d'aller chercher l'opinion des gens. C'est eux les principaux intéressés, finalement. Ils sont amenés à offrir des suggestions. Qu'est-ce que ça pourrait être, les suggestions? Là? Qu'est-ce qu'on pourrait planter qui serait intéressant, justement, à Lac-Saint-Charles? Bien, c'est super important d'avoir l'input de la communauté. Là. C'est clair qu'on a dessiné les grandes lignes un peu de la forêt nourricière, mais on veut savoir ce que les gens aimeraient avoir comme fruits, parce qu'on va planter beaucoup d'arbres fruitiers, déjà des variétés qui vont être adaptées au climat, qui vont être résistantes aussi à certaines maladies, certains insectes. Mais on veut aller voir aussi ce que les gens, dans leurs habitudes alimentaires, souhaitent intégrer, souhaitent cultiver, qu'est-ce qui les branche vraiment, parce qu'il faut susciter à quelque part l'adhésion, l'appartenance des gens à ce lieu-là. Donc vraiment, c'est super apprécié là, qu'il y ait des gens ce soir pour redonner leur contribution. Pour
Rafale et puis les familles qu'on accompagne à travers nos services, bien, le projet a tout de suite fait sens, dans le sens où on travaille principalement en sécurité alimentaire. Et puis là, quand on a parlé d'aller dans la nature, voir autrement notre manière de se nourrir, eh bien là, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main et qui se sont montrés intéressés à participer au projet dès son commencement, finalement. Et puis, il y a des familles, j'imagine, qui ont déjà montré leur intérêt à s'impliquer. C'est ce que vous demandez ce soir avec la séance d'information, que les citoyens disent ce dont ils ont besoin, finalement. Effectivement, parce que selon notre approche, à nous, on travaille toujours par et pour les citoyens, avec les familles. Et puis, du coup, ben, c'est l'occasion de rallier toutes ces familles-là autour d'un projet rassembleur en été, où ils pourront profiter de ce lieu-là également, qui, je crois, sera très intéressant à fréquenter. J'imagine que pour vous, quand on vous a approché pour parler de ce projet-là, tout de suite, vous avez eu envie d'embarquer? On avait envie d'embarquer, non seulement pour y amener nos familles, mais également pour amener tout un côté d'animation, d'éducation auprès des partenaires scolaires, par exemple, de notre milieu, des différents groupes et activités qui peuvent se tenir ici à Lac-Saint-Charles. Donc, notre objectif, c'est aussi de présenter la forêt nourricière dans un ensemble d'autonomie alimentaire. C'est une tendance qu'on ne peut négliger au niveau social, cette importance d'être plus près de la terre et de faire attention à ce qui nous fait vivre. Donc, pour ceux qui veulent justement s'impliquer, on invite pour l'instant les gens à contacter Agiro, mais par la suite, c'est vous qui allez vous occuper de l'animation et tout. Alors, si les gens veulent s'impliquer de ce côté-là aussi, c'est possible de vous contacter? Absolument. Donc, si on veut parler de thématiques, d'ateliers, s'il y a des gens qui ont envie de transmettre également leurs connaissances et d'agir bénévolement avec nous, en plus d'être participants, eh bien, ils sont les bienvenus, qui contactent l'organisme Rafale, donc à l'adresse courriel que tout le monde connaît, j'ose imaginer. Vous êtes déplacé ce soir pour une réunion d'information concernant une forêt nourricière. Est-ce que vous connaissiez le concept? Ben oui, en fait, moi, j'ai réalisé une série documentaire qui s'appelle Autrement, qui est passée aussi sur les ondes de ccab.tv. Cette série, en fait, a reçu un prix. Et le prix que la série, finalement, a reçu a permis, justement, en partie, de financer là, le projet de forêt nourricière. Donc, ben voilà, c'est aussi important que je sois là aujourd'hui. Là. Et vous êtes aussi un citoyen de Lac-Saint-Charles. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une forêt nourricière ici, dans notre beau coin de pays? Ben, c'est sûr que, pour l'instant, j'avoue que j'en sais pas trop. Moi, je suis pas non plus super familier avec toutes les sortes d'arbres qu'on va retrouver ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu pour ça que je viens aujourd'hui. Là, c'est pour en apprendre un peu davantage, puis savoir le genre d'arbres qu'on va retrouver. Est-ce que vous allez être tenté de justement aller cueillir des fruits avec la petite famille? Ben oui, c'est sûr. Là, j'ai deux enfants. On habite le coin. On adore en plus tout le coin de Lac-Saint-Charles. C'est magnifique. Là. Donc, c'est sûr qu'on va en profiter là, allègrement. Là. Un très beau projet de Rafale à Giro et la Ville de Québec. La forêt nourricière sera aménagée cet été sur le marais Bellevue à Lac-Saint-Charles. Si vous avez des idées pour la forêt nourricière, on vous invite à contacter à Giro. Les Sentiers du Moulin de Lac-Beauport inaugurent aujourd'hui leur nouveau bâtiment de service. Un projet qui était dans les cartons depuis 2010 a finalement vu le jour afin d'accommoder les nombreux visiteurs des sentiers, été comme hiver, avec de nouvelles installations de qualité supérieure. Comment vous vous sentez par rapport à l'inauguration de ce beau bâtiment-là? Bien, quelle belle journée. Écoutez, ça fait quand même plusieurs années que le projet est sur les planches, puis enfin, il est concrétisé. Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle, mais ça fait quand même quelques jours que le bâtiment, on a eu la chance de l'ouvrir depuis le 2 janvier. Puis déjà, on voit que les gens du Lac-Beauport sont appropriés le bâtiment. Les gens aiment le bâtiment. Et puis l'achalandage a été record au mois de janvier déjà. Donc, on est très contents. C'est une journée extraordinaire pour nous autres à la Société des Sentiers du Moulin. Vous me parlez des gens du lac Beauport, mais ce n'est pas seulement eux qui profitent des Sentiers du Moulin, si je ne me trompe pas. Non, tout à fait. Écoutez, si on regarde nos statistiques juste de l'été passé au niveau du vélo de montagne, durant l'été, on a plus que 55 % des gens qui ont fréquenté nos sentiers qui ne provenaient pas de la grande région de Québec.
Donc, et 10 % de nos clients l'année passée provenaient d'ailleurs de la province et partout dans le monde. Donc, les Sentiers du Moulin, c'est plus seulement local, provincial, mais c'est maintenant international. Donc, les gens partent de loin pour venir nous visiter. Et comment ce beau bâtiment-là va accommoder les sportifs qui viennent sur le site? Au niveau du ski de fond, ça va de soi que ça prend un bâtiment. On n'avait plus de bâtiment depuis, depuis l'année passée. On s'est accommodé un an à notre petit Waterloo que tout le monde connaît. Et puis, écoute, on avait besoin d'un nouveau bâtiment pour le ski de fond. Pour le vélo de montagne, avec l'achalandage qu'on a depuis maintenant 2-3 ans, bien, ça prenait une installation d'envergure. Donc, les gens sont contents de leur nouveau bâtiment puis ça va extrêmement bien depuis l'ouverture. Le gouvernement du Québec s'est également impliqué dans le projet? Oui, le gouvernement du Québec s'est impliqué dans le projet à la hauteur de 1,4 million. Et le reste, ça a été à la municipalité, qu'on remercie d'ailleurs. C'est certain qu'avec un OBNL comme la nôtre, on est capable de gérer nos opérations, de réinvestir dans notre centre. Mais un OBNL comme la nôtre ne peut pas avoir les reins assez solides pour construire un bâtiment, une infrastructure municipale de cette envergure-là. Donc, ça a pris, bien entendu, le support des conseillers et du maire. Et on les remercie énormément. C'est un héritage qu'ils laissent pour plusieurs années. Monsieur le maire, on est à l'inauguration du nouveau bâtiment de service des Sentiers du Moulin. Comment vous sentez par rapport à ça? Bien, beaucoup de fierté, honnêtement. Je dirais vraiment mission accomplie, promesse tenue. On l'avait promis et on l'a réalisé. Je pense que c'est vraiment un travail colossal, un travail d'équipe, tant au niveau de la municipalité que des élus, mais aussi, surtout, du conseil d'administration ici, piloté là, par le président Philippe Carrier. D'où est-ce que l'idée de rebâtir est arrivée? Écoutez, on avait des installations désuètes. Hein. Le chalet principal ici était vraiment à bout d'âge. On ne pouvait plus accueillir la nouvelle clientèle parce que la clientèle naturelle de ce centre-ci, c'était le ski de fond. Mais grâce à des idées novatrices, depuis quelques années, on a développé le vélo de montagne. Et ce volet trois saisons-là a pris vraiment une part plus importante maintenant que le ski de fond chez nous. Et l'arrivée de nombreux abonnés, on en a plus de 1500 en vélo de montagne, fait en sorte que le bâtiment d'époque ne tenait plus la route. Là. Il n'y a plus la capacité d'accueillir la demande que nous avons présentement. L'idée de rebâtir était dans les cartons depuis plusieurs années. Comment ça se fait que ça s'est déroulé sur autant d'années? Bien, c'était long. En fait, quand on a une subvention gouvernementale, il faut égaler la somme et plus sous toutes les formes que ce soit. L'OBNL qui opérait à l'époque a tenté de le faire avec des événements bénéfices, des levées de fonds, mais n'a jamais été capable, avec raison, parce que c'était très important comme montant, n'a jamais été capable de trouver la somme nécessaire pour faire le projet. Et nous, on s'était engagés en campagne électorale en 2017 de réaliser le projet avec les fonds publics si jamais on était élus, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, la décision, dans le fond, et la réponse à votre question, c'est le conseil municipal a eu le courage de continuer, d'aller de l'avant et de trouver les sommes nécessaires au niveau municipal pour réaliser le tout. Et de quelle façon le nouveau bâtiment va accommoder les sportifs? Bien, il va les accommoder de toutes sortes. C'est que maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on a un après-ski possible et on a un après-vélo de montagne possible. De se retrouver en groupe, en gang, de venir dîner, souper, consommer une petite dégustation. On a toute cette infrastructure possible-là et le sous-sol, dans le fond, le premier étage, lui, est vraiment très adapté au niveau technique. Là. On a tout ce qu'il faut pour le fartage des skis, la réparation des vélos et la location des équipements. Donc, le bâtiment était vraiment une nécessité pour combler les désirs de tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui se sont impliqués pour faire que le bâtiment soit parfait. Mais un bâtiment parfait pour quatre saisons, c'était difficile. On avait accommodé du ski de fond, on avait accommodé de vélos de montagne, de la raquette, les marcheurs. C'était difficile d'accommoder toutes les quatre saisons. Alors, je pense que c'est ça qui a étiré pas mal toute la construction du bâtiment. Mais maintenant, on en est très fiers. Vous me parlez d'accommoder les sportifs de la région. Comment le bâtiment va faire ça? Bien, d'accommoder les sportifs, je pense que les sportifs, ils se sont accommodés ici avec des petits chalets qui n'étaient pas grand-chose. Je pense que les gens adorent venir faire du ski de fond, faire de la raquette, du vélo de montagne, du fat bike. On a vraiment tout ici. Alors, un sportif qui veut profiter d'un sport ou l'autre va venir au chalet puis va être très confortable parce qu'on a des installations maintenant qui offrent, que ce soit des douches. On a aussi des jeunes sportifs qui viennent faire le ski de fond,
et le vélo de montagne gratuitement. Alors, pour ce qui est des sportifs, c'est pas juste les gens d'âge mature, on a aussi tous les jeunes. Alors, ça va accommoder quand même tous les grands sportifs. Et le gouvernement du Québec s'est d'ailleurs impliqué pour ce projet-là de bâtiment. Oui, alors je pense que le bâtiment n'aurait jamais eu lieu, comme on avait la présence aujourd'hui là, de la ministre. Je peux vous dire, sans l'aide des infrastructures du gouvernement, cette bâtisse-là n'existerait pas aujourd'hui. Charles, vous travaillez ici au Sentier du Moulin. Comment vous trouvez la nouvelle installation de chalet, de bâtiment? C'est super bien. Ça fait du bien comparé à notre ancien chalet puis au Waterloo qu'on a eu l'année passée. C'est une grosse coche comparé aux autres années. Puis je pense que ça démontre bien aussi le reste du réseau de tout ce qu'on fait. Vous avez assisté vraiment à la construction puisque ça fait quelques années que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous avez pensé du processus de construction, les gens qui ont travaillé sur le projet? Je pense qu'ils ont bien réussi. Ça a été long avant de partir peut-être, mais une fois que ça a été enclenché, ça a été du beau travail. Puis il va rester des améliorations à faire, mais ça va avancer assez vite. Et qu'est-ce qui est possible de faire comme activité sur le site des Sentiers du Moulin? Raquettes, ski de fond, fat bike, puis sinon, ben, l'été, il y a le vélo de montagne qui est une grande activité. Puis ça prend de l'ampleur d'année en année. On est rendu à pouvoir en faire dans la montagne du tourbillon qui est de l'autre côté de la rue. On n'arrête pas de grandir. Est-ce que ça représente une fierté pour vous de travailler ici? Entièrement, j'ai pas de misère à dire que je travaille ici, puis je suis content de le dire. Merci à tous les gens présents pour l'inauguration du nouveau bâtiment de service des Sentiers du Moulin. Le bâtiment est désormais accessible au public et on vous invite à venir profiter des nouvelles installations dès maintenant. La boutique Switch est le seul endroit dans la ville de Québec où vous pouvez échanger vos vêtements, une alternative écologique et économique au magasinage standard proposé par Sonia Grenon et Nancy Lafont, toutes deux résidentes de Lac-Saint-Charles. Mon amie Nancy voulait avoir une friperie à elle. Donc, on a fouillé sur les internets. Puis, on est tombé sur un concept qui existe à Montréal, mais qui existe aussi dans beaucoup de pays, l'échange de vêtements. On trouvait que c'était vraiment plus écologique. Il y a un côté qui nous a vraiment interpellés. Puis, il n'y en avait pas à Québec. Puis, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Fait qu'on a commencé à en parler. On s'est emballé dans le projet. Puis, finalement, on a décidé de partir ça à temps perdu, comme on dit. Vous chargez des frais, mais c'est pour le local, c'est ça? Oui, exactement. On travaille bénévolat plus, parce que pour l'instant, là, le 15 $ pour l'entrée sert vraiment à nous aider à payer la location du local. Là. Et le concept d'échange de vêtements, est-ce qu'il y avait une conscience écologique et économique qui vous a aussi allumé là-dedans? Oui, vraiment. Bien, l'écologie prend de plus en plus d'importance de nos jours. On entend plus parler. On sent que les gens sont plus ouverts aussi, font plus attention. Puis, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Même moi, en regardant ma garde-robe, je voyais qu'il y avait des vêtements que je portais pas. Mon garde-robe il était rempli. Échanger des vêtements qui sont encore en bon état, c'est vraiment très, très écologique, puis économique aussi à la fois, là. Quand vous venez ici, vous apportez un coût d'accès de 15 $ pour entrer à la boutique, ça, ce qui nous aide à payer le loyer. On n'en tire pas de salaire. Dans le fond, vous amenez jusqu'à un maximum de 20 items. Ça peut être des sacs à main, des chaussures, des espadrilles, des jupes, des robes. Finalement, tout ce qui est en bon état. Nous, on vérifie tout ici, à ce que tout soit en bon état. Vous obtenez des crédits. Donc, si vous amenez 20 vêtements, vous avez 10 vêtements de choisir, vous allez avoir 10 crédits en boutique. Donc, vous allez pouvoir vous choisir 10 items ici en inventaire gratuitement. On n'attribue pas de valeur. Dans le fond, vous pouvez apporter un manteau de fourrure, comme je dis toujours, puis repartir avec une sacoche ou vice-versa. Là, on n'accorde pas de valeur aux vêtements. C'est vraiment un crédit, un vêtement ou accessoire.
Ça fait combien de temps que la boutique est ouverte ici? Ça fait 3 semaines. On a fait un événement à l'automne dernier pour un peu voir comment les gens allaient réagir à ça. Ça a eu beaucoup d'engouement. On a même arrêté de prendre des inscriptions parce qu'on avait assez de personnes pour participer. Les gens ont vraiment aimé. Fait qu'on trouvait ça plus facile, nous, d'avoir un local permanent où c'est que les gens ils pourraient avoir leur crédit dans l'immédiat puis pouvoir en bénéficier la même journée au lieu de se déplacer 2 fois. Est-ce qu'il y a une façon de vous suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux pour voir un peu ça a l'air de quoi? Oui, bien, dans le fond, nous, on a juste notre page Facebook pour l'instant. Tout est écrit, on met des photos. On a Instagram aussi qu'on commence un peu à découvrir. Hein? On est débutante. Puis on met des photos, des vêtements qu'on peut retrouver pour donner une idée aussi de les gens, pour leur donner une idée de ce qu'ils peuvent trouver ici en boutique. Là. Mais notre page Facebook donne vraiment tous les détails, là, du fonctionnement, du coût d'entrée, des photos et tout. Comment ça se passe jusqu'à date dans les 3 dernières semaines? Ça va super bien. On voit que les gens en parlent de plus en plus entre eux. Les clients partent d'ici super satisfaits, donc c'est du bouche à oreille pour l'instant. D'où vous est venue l'idée à vous et à votre amie Sonia, qui est cofondatrice avec vous, de partir une boutique d'échange de vêtements? En fait, c'est... Moi, j'avais toujours l'idée dans la tête là, d'une friperie. Et puis, c'est mon amie Sonia qui a fait des petites recherches sur Internet et qui a trouvé que le concept d'échange de vêtements existait ailleurs. Et il y en avait une à Montréal. Puis, on est allé faire un petit tour. On est tombé en amour avec le concept. Est-ce qu'il y a aussi la conscience économique et écologique là, qui vous pousse à, qui vous ont poussé à ouvrir la boutique? Tout à fait. C'est comme un plus, en fait. C'est sûr que le côté mode nous intéressait beaucoup. On est des magasineuses. Puis là, finalement, ben, si on ajoute le côté écologique, qui est quand même grandissant là, dans la population, là, donc ça ajoute un plus. Vous me parlez, justement, j'allais vous dire, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez magasineuse. Est-ce que ça allait changer quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez réduit peut-être votre consommation un petit peu depuis que vous avez la boutique? Tout à fait, parce qu'on voit que c'est possible, en fait, d'avoir des vêtements, des échangés, de réutiliser les vêtements des autres pour être autant là, à la mode que si t'achetais du neuf. Et vous, là, c'est pas votre métier à temps plein. Donc, le 15 $ dont vous me parlez, c'est vraiment pour payer les frais de local. C'est pas un salaire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, je travaille pour le gouvernement. Donc, je suis derrière un bureau. Donc, c'est vraiment tout autre chose. Et ça me permet de, justement, travailler dans un petit côté là, de passion que j'ai, là, qui est la mode. Les heures d'ouverture de la boutique, c'est quoi? Bien, c'est le jeudi de 6h30 à 8h30 et le samedi de 9h30 à 12h30. Super. Bien, c'était une très belle initiative. Merci beaucoup, Nancy. Puis on vous souhaite que ça perdure très longtemps. Bien, merci à toi. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de l'échange de vêtements? C'est vraiment une très belle initiative. Ça permet, en fait, de laisser nos vêtements avoir une deuxième vie puis de permettre aux gens de mieux les apprécier que nous, on les apprécie plus. Moi, en fait, c'est parce que là, j'ai eu un bébé, donc il y a beaucoup de vêtements qui me faisaient plus. Fait que c'était parfait pour moi. Ça m'a permis de faire des échanges puis de retrouver des beaux vêtements que je suis heureuse de porter. Est-ce qu'il y a également la conscience écologique et économique qui embarque là-dedans? Absolument, absolument. C'est sûr que ça permet un peu de pas être obligé de toujours refaire des vêtements. Ou, c'est une belle façon de voir. J'ai vu que Sonia avait lancé un défi d'avoir un an sans achat de vêtements et plutôt de récupérer. Ça fait que c'est un beau défi à lancer aux gens. Puis je pense que c'est avec des initiatives comme ça qu'on réussit justement à y parvenir. Ça fait que je suis très fière d'en faire partie. Et qu'est-ce qu'on trouve exactement ici? Comme style de vêtements, bien, en fait, il y a vraiment de tout. Là, c'est classé par soit les robes, les jupes. C'est principalement pour femmes. Je pense qu'en ce moment, ils ont ouvert seulement pour femmes. Ils pensent éventuellement faire pour hommes et pour enfants, mais on commence au moins par quelque chose. Donc, c'est classé par les shorts, les jupes, les pantalons. Et après, il faut fouiller un petit peu pour voir si les tailles nous font. Mais comme Sonia a dit, il faut toujours essayer les vêtements, même si on n'est pas certaine en les voyant. Bien, finalement, des fois, ça donne
un beau résultat, puis on est content. Puis en plus, ça permet que si on part avec un morceau de vêtement qu'on n'est pas sûr, des fois, on hésite, puis on se dit, ben, est-ce que je vais le porter ou ça va rester en garde-robe? Ben, si ça reste en garde-robe, on peut le ramener 2 semaines plus tard puis le rééchanger contre d'autres choses. Donc, c'est une belle façon aussi de magasiner. Il y a possibilité d'essayer également sur place. Oui, 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 certainement. Oui. Il y a 2 cabines, puis les filles sont là pour nous conseiller aussi. Puis ils font des fois des kits, justement, ça fait qu'on arrive, puis on voit déjà des kits préfaits. Ça fait que, oui, possibilité d'essayer. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la boutique? Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis moi, je suis arrivée au début, je me disais, oh, est-ce que je vais trouver? Puis finalement, je pense que je vais repartir avec ça, ce morceau. Vous portez d'ailleurs en ce moment des vêtements que vous essayez? Oui, et en effet. Fait qu'on peut voir là, que c'est vraiment des belles trouvailles qu'on peut faire ici. Là. Oui, vraiment. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que quand vous arrivez, vos vêtements sont analysés pour être sûr de donner vraiment des choses de qualité à la clientèle? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Au départ, ma soeur elle m'avait avisé, donc j'étais pas surprise de ça. J'avais fait exprès, tu sais, de quand même prendre pas le chandail qui est troué ou rapiécé, là. Mais il accepte quand même beaucoup de vêtements, là, dans le sens où c'est faut juste que le vêtement soit pas abîmé. Puis après, ben, c'est dans la créativité qu'on peut agencer des choses puis qu'on trouve des beaux ensembles. On vous invite à venir visiter la boutique Switch à Saint-Sauveur. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook Switch et la page Instagram Switch tes vêtements. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercialccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine!